Nolana à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui durant ce confinement. Nous allons travailler d'abord l'approche. Le point clé d'aujourd'hui, ça sera sur le dosage. Ensuite, un petit bonus sur le grand swing. C'est parti. Donc, le matériel utile pour l'exercice serait d'avoir un piquet ou un stick, idéalement. Hop, un bout d'élastique. Donc, si vous avez un bout d'élastique qui traîne, surtout élastique, hein, puisque ça sera vraiment utile. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, un club et quelques balles. Donc, on va tout de suite passer à l'exercice. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord prendre le piquet, le placer. Dans un deuxième temps, nous allons placer l'élastique autour du piquet. Au troisième temps, nous allons placer le club, la face de club attachée à l'élastique. Après avoir attaché, à présent, essayez de commencer votre démarrage. Placez-vous en position d'approche, d'accord ? Et ensuite, démarrez en essayant, avec l'élastique, en essayant de faire bouger les bras, les épaules pour tirer le club au démarrage. C'est parti. Vous sentez une tension quand ça tire vers l'extérieur. Sentez à présent que vous devez travailler toute une partie, donc le club, les bras, les épaules ensemble vers l'arrière. Essayez de tenir le club comme ceci. Donc pas comme cela, mais tout avec l'ensemble du haut du corps. Comme ceci. Vous pouvez aussi le faire pour des grands gestes. Donc avec constance. Démarre. À présent, allons, on va essayer avec des balles. Donc cet exercice primordial pour le dosage chez les débutants ou amateurs, ils ont l'impression de faire le même geste, de monter à la même hauteur de club et pourtant ça ne se retrouve pas au même point de chute. Donc travaillez sur le démarrage, ce qui fait que vous allez pouvoir optimiser vos chances de garder le même rythme, la même puissance et la même force pour le retour. Donc forcément un bon dosage. À présent, on va passer au swing et au point clé bonus. C'est parti. Bah imaginez que ce stick est un mur, le stick est devant vous. Ensuite, à partir de là, j'arrive après mon footing de 10 km, voilà, je suis essoufflé et je m'affaisse sur ce mur. À présent, la posture que vous allez remarquer, c'est ceci. Donc, imaginez cette posture de mec essoufflé que je viens de recopier à l'instant, imaginez-le en étant un peu plus redressé, comme si je voulais me redresser tout de suite après, toujours en gardant le dos droit. Alors, regardez un peu. Cette posture, à présent, où on se redresse, et plus on se redresse, et plus les mains se décollent des genoux. Imaginez cette posture avec un club à la main. On reste le dos droit avec la tête légèrement redressée. À partir de là, vous pourrez compléter avec la première phase qu'on a vue tout à l'heure, où on avait vu le démarrage du swing avec l'élastique.
Donc, à présent, j'espère que la vidéo vous a plu. Essayez de travailler chez vous et puis on verra pour les prochaines vidéos. Donc, dans 3 jours, essayez de vous entraîner d'ici là. Allez, c'était Vaka, ciao!